Bon, rebonjour les amis. Bon, maintenant, allons voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui sur Marga Arna. Vais-je enfin réussir à le capturer après 3 semaines? Oui, ce sont les Pokémon que je vais faire augmenter, là. Mais attendez une minute. Je vais juste changer l'un de mes Pokémon. Parce que d'un coup, si c'est mon type fée, ben là, s'il gagne 3000, ben là, il va juste gagner 1600 Q pour arriver au niveau 15. Fait que, on va aller avec mon type fée. On va dire jusqu'à 5. Bon, essayons avec ça. Hein? Bien. Je sens que ça va être mon Azumarill qui va obtenir 3000. Bon, c'est bien. Mais mon but c'est d'avoir l'autre Félin Inferno, mais c'est pas trop grave. Le talent hasard fait bien la job. Quand il est au niveau 5. Bon, ok, on est à 8, 11, 14. Oh non, c'est 11, excusez. 2 à. Excusez-moi, c'est trop pour ça à court à ça. 2. Ouais, 3 x 3, 9. Plus 2, 11. Ok. Bon, que va-t-il se passer aujourd'hui? Oh, merveilleux, je l'ai, yes! À 11%, yes, ça y est, j'ai de la chance. Bon, comme je me le disais, c'est mon Azumarill qui est plus 3000. Il reste plus grand-chose pour arriver au niveau 14. Voilà. Oh yeah, allons voir c'est quoi qu'il y a comme talent, ce Pokémon. De puissance de 80. Ok. Marga Arna, puissance de 80, fait apaisement, retarde les entraves de l'ennemi. Ah ouais, un bon talent ça. Un Pokémon puissant. Oh yeah, cette fois-ci, je l'ai réussi à la capture, mais sans l'aide d'une Super Bowl. Yeah, je suis chanceux. Yeah, après 3 semaines, enfin. Maintenant, j'ai plus besoin de m'en préoccuper. Donc, sur ce, on se rejoindra demain pour le Pokémon du jour numéro 8. Et pour la compétition de Arc-Éduque.